Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. Depuis qu'il a rejoint le Bayern Munich en 2019 en provenance de Vancouver, Alphonso Davies est devenu l'un des meilleurs arrières latéraux au monde. Connu pour son rythme rapide et ses talents de dribbleur, Davies a détruit la défense adverse pour le plaisir. À un si jeune âge, ses qualités semblent un peu écrasantes, mais les efforts incroyables qu'il a déployés dans les coulisses pourraient ne pas être connus de beaucoup. En plus d'être champion de la Ligue des Champions et champion d'Allemagne, Davies disputera sa première Coupe du Monde avec le Canada cette année au Qatar. Tous les regards seront tournés vers la superstar rapide qui a atteint des sommets incroyables en Europe. Mais d'abord, comprenons d'où vient la star du Bayern et comment il a réussi dans le football. Sans plus tarder, commençons. Alphonso Davies est devenu l'un des meilleurs arrières latéraux du monde. Naturellement, l'équipe allemande est sous pression pour lui donner un salaire important. Dernièrement, la star américaine a fourni quelques périodes productives, augmentant sa valeur marchande. Il gagne actuellement 1,2 million d'euros, 1 million de livres, par an au Bayern Munich. Nous avons analysé les chiffres, ce qui suggère que Davies a une valeur nette de 5 millions d'euros, 4,4 millions de livres sterling. Les principales sources de ses revenus sont les contrats professionnels et les accords de parrainage. Considérant qu'Alphonso Davies est jeune à ce stade, il a un vaste potentiel pour gagner un revenu important à mesure que sa carrière se développe. Alphonso Davies a une valeur nette de 5 millions d'euros, 4,4 millions de livres sterling. Crédit, Instagram. Compte tenu du type de performance qu'il a donné ces derniers temps, de nombreuses équipes européennes se disputeraient sa signature sur le marché des transferts. Ainsi, le Bayern serait poussé à lui verser des salaires importants dans les années à venir. Pourtant, ses revenus actuels lui permettent de profiter d'un style de vie luxueux. Après que la famille d'Alphonso Davies se soit installée à Edmonton, au Canada, la star du Bayern Munich a rejoint un programme d'accélérateur de football à l'école secondaire University Hill de Vancouver. Il a d'abord joué au football organisé avec Free Footy, une ligue parascolaire pour les enfants en retard financier. À l'âge de 14 ans, Davies a rejoint la résidence du Whitecaps FC. Il a rapidement gravi les échelons montrant des compétences incroyables sur le terrain, ce qui lui a valu son premier contrat en février 2016. Il est devenu le plus jeune joueur à signer un contrat USL à 15 ans et 3 mois. Il ne lui a pas fallu longtemps pour faire une percée dans l'équipe senior des Vancouver Whitecaps FC. Après avoir débuté comme coq en juin 2016, Davies a signé son contrat professionnel en équipe première avec les Whitecaps en juillet de la même année. Après avoir fait ses débuts en MLS le 16 juillet 2016, le Canadien a disputé 81 matchs marquant 12 buts et fournissant 14 passes décisives. L'incroyable croissance de Davies a été repérée par les géants allemands du Bayern Munich qui l'ont signé en juillet 2018. Ses frais de transfert étaient un record de la MLS à l'époque. Il a fait ses débuts pour le club allemand le 12 janvier 2019 contre le Borussia Mönchengladbach en Telekom Cup. Depuis lors, Davies a disputé 109 matchs pour le Bayern, inscrivant 5 buts et 18 passes décisives, aidant l'équipe à remporter un camion de trophées, dont la Ligue des Champions et la Bundesliga. La star canadienne est connue pour son rythme explosif, sa créativité, ses capacités de dribble et de croisement. Au rythme où il grandit, il a une chance de faire une longue carrière en Europe. En tant que réfugié libérien, Alphonso Davies est devenu éligible pour représenter le Canada après avoir réussi son test de citoyenneté le 6 juin 2017. Même avant cela, Davies a été appelé pour plusieurs camps de jeunes à travers le pays et a même été nommé joueur canadien U17 de l'année en 2016. Le jour où Davies a réussi son test de citoyenneté, il a été inclus dans le camp de l'équipe senior pour un match amical contre Curaçao, contre lequel il a fait ses débuts et est devenu le plus jeune joueur à jouer pour l'équipe nationale. Depuis lors, Davies a disputé 30 matchs pour son pays, marquant 10 buts. Même s'il n'a remporté aucun titre international, il aurait une chance de mener l'équipe canadienne à la gloire lors de la Coupe du Monde 2022. Alphonso Davies est né le 2 novembre 2000 dans un camp de réfugiés au Ghana de parents libériens. Son père, Debea Davies, et sa mère, Victoria Davies, ont fui leur ville natale Monrovia, la capitale du Libéria, pendant la Seconde Guerre civile libérienne. En 2005, ils ont immigré au Canada et se sont installés à Edmonton. Alphonso a 5 frères et sœurs avec lesquels il entretient une relation solide.
Jordi Nuitema est une footballeuse canadienne qui joue actuellement pour l'équipe féminine du PSG. Alphonso Davies a rencontré Nuitema en avril 2017. Ils ont rapidement compris le lien qui les unissait et ont fait avancer la relation. Comme ils vivent dans des villes différentes, ils n'ont pas beaucoup de temps à passer ensemble. Mais, pendant le verrouillage, ils sont restés ensemble pendant une longue période et ont partagé plusieurs vidéos de leur temps de plaisir sur YouTube et Instagram. Alphonso Davies a des accords de sponsoring avec Nike et Konami. Vous pouvez consulter son profil Instagram, où il a approuvé le produit des marques. Alphonso Davies n'a aucun tatouage sur son corps. Nous n'avons actuellement aucune information sur la voiture d'Alphonso Davies. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.